Eddie, Secret Story. En couple, il présente son nouveau compagnon. Sur les réseaux sociaux, Eddie, ancien candidat de Secret Story, est très actif. Mardi 17 décembre 2019, il a d'ailleurs fait une grande annonce à ses abonnés en leur présentant son nouveau chéri, Fred. Eddie, le candidat phare de la 7e saison de Secret Story en 2013, est devenu une figure emblématique de la télé-réalité française. Après avoir participé à plusieurs saisons des Anges, le jeune homme de 26 ans a choisi de s'éloigner un temps des caméras. Aujourd'hui, il mène une vie beaucoup plus tranquille. Cependant, l'ancien candidat au tempérament de feu reste très actif sur son compte Instagram où il est suivi par plus d'un million d'abonnés. Le mardi 17 décembre 2019, Eddie Benyousse a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram. Dessus, on le voit sourire fièrement et être allongé aux côtés d'un autre homme. En légende, Eddie écrit « Du nouveau dans ma vie ». Voilà donc une heureuse nouvelle. Il semblerait que le meilleur ami d'Anna et Camille Julie, qui est récemment devenue maman, a enfin retrouvé l'amour dans les bras d'un dénommé Fred. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux amoureux ont l'air très heureux et arborent tous les deux un grand sourire. Mais surtout, parmi les hashtags que Eddie a ajoutés à sa légende, on peut lire le sang de Bill ou encore un con. Et vous ferait-il partie des guests de cette nouvelle saison des Anges? Et est-ce qu'il a rencontré Fred là-bas? Affaire à suivre. Eddie semble donc être un homme comblé, ce qui fait plaisir à voir. Très discret sur sa vie privée, le candidat de télé-réalité qui a été arrêté en 2017 pour possession de drogue, s'affiche avec ses compagnons. Sa dernière relation officielle remonte à 2017 lorsqu'il a rencontré Smile lors du tournage de la 2e saison de la Villa des Cœurs Brisés. Depuis quelques années, Eddie s'est éloigné du milieu de la télé-réalité. Avec l'aide de deux amis, il a ouvert une maison d'hôtes de plus d'un hectare dans la région de Bordeaux et est même devenu animateur sur la chaîne MTV.